Et bonjour tout le monde, c'est Dr Chips et aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode, j'allais dire le neuvième, le cinquième épisode de Pokémon Adventure to Empire Island en Nuzlocke Maryse. Entre l'épisode, j'ai expliqué un petit peu la team. Donc Wicklava, Florisson n'a rien appris, Nounoursa n'a rien appris, il n'a pas monté de niveau. Smogo est monté de niveau, donc j'ai up un petit peu avec les super bonbons jusqu'à ce qu'il apprenne une meilleure attaque. Dès qu'il a pris des tritus, j'ai commencé à l'expliquer dans les autres terres pour qu'il gagne quelques EV. Donc il a détritus, charge, smog c'était quoi nouveau, purée de poids et gaz toxique. Et enfin Iris a enfin appris acide, donc enfin une nouvelle attaque poison. Elle va déjà nous être un petit peu plus utile. Et du coup il y a aussi quelque chose que j'ai oublié un petit peu de vous rappeler lors du dernier épisode et que j'avais complètement oublié. D'ailleurs merci à Vincent Ferreira, je pense que son commentaire apparaîtra sur la vidéo. C'est le défi que normalement la règle 15, le défi que les abonnés doivent me donner à la fin d'une arène. J'avais complètement oublié cette règle et je me suis dit encore heureusement que j'ai attendu les retours de l'épisode 4 pour pouvoir tourner cet épisode. Parce que là-bas je voulais tourner cet épisode avant la sortie de l'épisode 4. Donc on n'aurait pas fait le défi. Donc le défi c'est ne soigner que 2 Pokémon. Donc je lui ai demandé si c'était soigner genre en centre Pokémon ou juste avec des objets de soins. J'ai pas encore de réponse. Du coup on va faire inclure les objets de soins et le centre Pokémon. Donc je pense que les deux Poké qu'on risque d'être de soigner, ça risque d'être... Bon, puisqu'on est dans une grotte, peut-être pas Cuiclava, Bobo je pense, comme ça on pourra un peu l'utiliser. Iris, de toute façon on peut soigner toute seule avec Volvi, donc on va dire non. Et on va dire Cuiclava, donc Nounoursa, on va essayer de pas le soigner. Ah ok, moi qui crois... Le suspense de ouf en vrai. On va avec une petite échelle, on se dit on va continuer dans la grotte. Et où est-ce qu'on arrive? Sur l'île 3. Est-ce que c'est une nouvelle zone? Je sais même pas. Où est-ce qu'on a attrapé Bobo? Sur la caverne machin. Je vérifie un truc, je sais pas si c'est une nouvelle zone. Ah ouais, c'est vrai que ça ira pas. J'ai pas de repousse en plus il me semble, juste regarder. Ah si, super repousse, on va l'utiliser du coup. Je vais voir, est-ce que c'est une nouvelle zone par rapport à la zone précédente? Ça, j'ai pas fait gaffe. Ok, en fait, on rentre par des échelles. Île 2. Super, une nouvelle zone. On va pouvoir capturer un nouveau Pokémon dès le début d'épisode. Si j'aurais su ça, je pense que j'aurais quand même sorti peut-être lors de l'épisode précédent. Du coup, il y a l'air d'avoir pas mal de dresseurs. Non, il y a un centre Pokémon carrément déjà. Moi bon, j'ai pas vraiment pour moi prévu de sujet pour cet épisode, je crois que j'en avais un à un moment mais je sais plus ce que c'était. Bellsprout, c'est quoi ça, Chitiflore? Niveau 20, ouais, Zokam a un bon niveau. La mèche. Bon j'espère en tout cas que la petite animation que j'ai faite en tout cas pour l'épisode précédent vous a plu. Pour moi d'après ce que j'ai vu, ça va, ça a plu quand même à quelques personnes. Out. On va changer, on va en ouais, Smogo. Donc il y a toujours le mystère de Nounoursa. On verra qui sera peut-être élucidé dans les prochaines versions. Peut-être dans cette version, dans ce let's play, on verra bien. On verra ce que l'avenir nous réserve. One shot, ah ouais quand même. Bobo il est puissant. Je sais même pas pourquoi je l'ai appelé Bobo en vrai. Du coup il y a des autres herbes ici, juste voir. Est-ce que toi t'es un marchand ou t'es un dresseur? Ok, t'es un marchand. Super potion, des repousses. On va rien acheter. Il y a personne là-dedans, ok. Bon, pour la capture, je me suis dit est-ce que je vais prendre un autre Pokémon, mais on va garder les Pokémon qu'on a. Mais d'ailleurs, est-ce que j'ai des Pokéballs en vrai? Ça, j'ai pas fait gaffe. Ouais, 11 Pokéballs de super, ça devrait aller. Est-ce qu'il y a des Pokémon dans ces herbes? Ça serait bien. Ah oui, c'est vrai que j'avais le repousse. C'est sûr que ça va pas comme ça. Dardarnian, c'est pas un doublon, c'est un peu de la merde, on va pas se le cacher. Bon ça va aller dans le jaune. Moi quoique Dardarnian ça peut être un bon Pokémon, je sais pas, c'est un peu de la merde en vrai. Il y a encore une femelle mais on tombe que sur des femelles franchement. Il y a Cold Starter et Nounoursa qui sont des mâles. Bon j'utilisais un peu des attaques qui baissent les stats. C'est vrai que ça, je sais pas si vous savez, mais je sais pas si ça change vraiment quelque chose pour la capture d'un Pokémon.
Quand Pokémon a ses stats baissées ou a ses stats augmentées. Bon, il a l'air d'avoir Fury pour le moment. On pourra peut-être lui apprendre coupe du coup, si jamais on a coupe. Il y a peut-être Darvenin, j'espère qu'il a pas que Fury, ça serait bien. Ok, capture. Comme dit là, on la capture un peu plus facilement quand il avait ses stats baissés, donc je sais pas si ça a vraiment une influence. Donc toi tu pourras pas évoluer par contre. Comment on va l'appeler? On va l'appeler Abeille. ABE, allume-moi. Bah, même l'appeler ABE en vrai. J'ai pas d'idée de surnom, on va juste l'appeler ABE. Du coup, Ab, qu'est-ce que t'as? Relax de nature. Swarm, c'est essaim. 33 d'attaque, qui peut être bon en vrai. Je me tâte à le prendre. Tu peux apprendre double dard en plus au bout d'un moment. On verra. On va laisser dans la boîte pour le moment. On va peut-être servir pour plus tard. Ouais, je me tâte à prendre peut-être un dard d'Aragnan. Faudra voir. À quoi que ça ferait pas une réserve. Enfin, une... Non, je veux dire une grosse faiblesse feu, mais non, pour le moment ça va. Du coup, bon, on a. Conconfort qui n'évoluera plus, je pense qu'il restera là. Dardarian, je suis quand même content d'être tombé dessus. Du coup, nouveau dresseur. Qu'est-ce que tu nous caches? Ah bon, son Pokémon a évolué. Est-ce que c'est un Dardarian par hasard? Ok, ça va pas laisser cliquer là-dessus. Non, Xatu. Ah ouais. Ah, tu commences fort, toi. C'était pas mal, je sais pas s'il y a d'autres en... Psycho. Sachant qu'on a une bonne faiblesse psy. Qu'est-ce que t'as ramassé toi par hasard? Cherry Berry. Heureusement j'ai dit que Quick Lava on pourra le soigner. Psycho. Oh ouais, mais ils sont déjà psycho. Bon c'est la mascotte, ça compte pas, mais avec un crit quand même. Je le sens mal. Euh, 22 de vitesse. Lui il en a 29. 49. Je sais pas, j'ai pas envie d'envoyer Iris pour faire une attaque coudre dodo. On va renvoyer Cuc là-bas. On va utiliser un Flamèche. J'ai changé de Pokémon, logiquement je peux quand même utiliser deux fois, mais la même attaque. What, mon dieu, enlève que ça à peine. Bon, Bobo, à toi. Ouais, quand même de perdre un Pokémon. Sludge, mais il est plus rapide en plus. Bon ben... c'est la merde. Bon Iris, je pense que tu vas pas tenir. Poudre de don, on peut quand même essayer si jamais il rate Psycho, bien sûr que non. Ça serait trop beau. Et il tient. Bon ben, on a perdu deux Pokémon. C'est la joie, bon. Vu que du coup les autres Pokémon, je les ai pas encore soignés, j'ai pas soigné du coup Cuiclava ni Smogo. Je pense que je pourrais quand même soigner Iris. Là par contre ce qui va être chiant, c'est que je change d'attaque et il se réveille bien sûr. Bon ben, perdu. Quand je disais que ce jeu était assez difficile. On va pas se centrer Pokémon du coup. Du coup, ben, au revoir la team. On vient de se faire démissimer la team quand même. Oh, je vous jure. Au revoir Cuclava, t'as tenu 3 épisodes. Au revoir Smogo, t'as même pas tenu un épisode. Enfin, t'as, non, il a tenu Cuclava a tenu 5 épisodes, vu que c'est le dernier. Et Gloom, ben, t'as tenu quelques épisodes, bon. Bonjour ABE. Bonjour Metapod. Je vais vous XP un petit peu. Et on se retrouve ben, du coup tout de suite après les avoir XP. Du coup, j'ai XP un petit peu la team, enfin pas qu'un peu même. Donc ABE est monté niveau 29, a pris double dard et Rage c'est quoi nouveau, c'est Frénésie. Nounoursa a monté niveau 27 et Larve monté niveau 27. Comment dire que ça va être la merde? Parce qu'avec une attaque psycho, je pense qu'il nous one-shot quasiment. On a quand même de perdre toute l'équipe. Je sais pas comment on va faire pour les prochaines arènes. Et quand même, un Xatu avec Psycho.
Oh mais c'est quoi ce jeu? Et on lui fait que ça! Empoison! Vas-y, même pas empoisonné, t'es sérieux. Ça va, ABE n'est pas mort. En vrai, on aurait large pu gagner si Nounoursa serait pas été mort. On aurait pas pris la moitié des dés. On aurait pas pris un coup critique. Ah merde, j'allais dire on peut réussir si on refait nouveau truc, mais non. Mais ça m'étonne que c'est pas super efficace en vrai. Juste voir, ça fait combien de dégâts? 25 à peine? C'est chaud, il a combien de vitesse? 49, 30, 23. Nounoursa. Eh mais psycho, mais ils sont sérieux les gens. Le pire c'est je crois qu'il apprend vraiment psycho vers ce, à peu près à ce niveau. Feinte. Ouais. Heureusement qu'il a résisté. Bon Nounoursa, t'es le meilleur. Je pense qu'avec Pifeuil, quoique Pifeuil n'aurait pas pris le psycho. Mais bon, il avait rien pour attaquer, donc bon, c'était la merde aussi. Il vient quand même de perdre toute l'équipe. Oh. Bon, je soigne tout le monde, parce que de toute façon, l'arbre n'a pas... ne s'est pas fait soigner. Enfin, ne s'est pas fait soigner, n'a pas perdu d'attaque et tout ça, donc en fin de compte, c'est comme s'il n'avait pas été soigné. On va garder l'arbre quand même. On sait jamais. Du coup, les deux seuls Pokémon qu'on va soigner, ben, ça sera Nounoursa et ABE. J'espère qu'on va bientôt arriver à une prochaine ville qui a pas trop de dresseurs que ça. Ou qu'on peut les esquiver. Tiens, il y a des Pokémon là-bas. Bon, regarde, en avançant, j'ai aussi vu qu'il y avait. Enfin, en avançant en expansion, j'ai vu qu'il y a dans les autres aires qu'il y avait aussi des Roucoules. C'est un peu de la merde. On va pas aller se cacher. Heureusement que je suis pas tombé sur un Roucoule. Non, je peux pas l'esquiver. Peut-être si je passe là en bas. Et bah non, bien sûr. Tu me vois de tout là-haut. Il a capturé ses Pokémon à ON. Qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon à ON? Skitty peut-être. C'est un collectionneur. Kecléon. Original. Ouais. Double dard. En échange, bien type insecte. Allez, empoisonne-le. Je sais que ça peut empoisonner. Ah vas-y, mais c'est sérieux. Mais les dégâts qu'ils me font. Mais comment vous voulez qu'on réussisse? Oui, en plus il fait encore un coup critique, mais vous êtes sérieux? Donc il a raté son attaque, j'ai pu réutiliser double dard. Je crois qu'il va falloir qu'on XP level 50 pour la prochaine arène. Kecléon! Du coup, super potion. Ah ouais, d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai une nugget, c'est Nounoursa qui l'avait récupéré. Une nugget, une pépite. Toi... Non, mais vas-y, je voulais t'esquiver. C'est possible. Il recherche un... Oh, j'ai pas envie de lire. Ça m'a saoulé maintenant. Il vient de perdre toute l'équipe quand même. Heureusement qu'on était tombé sur cette zone hein, que j'ai vérifié. Parce que je vous raconte pas la merde sinon. Oh, critique, merci quand même. Comment voulez-vous qu'on réussisse avec cette équipe? Regarde, on lui fait plus rien. Thundershock, bon. Fury qui fait aucun dégât. Ultrason plus confusion, super. Nounoursa à toi. Feinte. L'espoir que tu arrives à le tuer. Ça va. En vrai, il nous faudrait quoi comme Pokémon Wear? Magnéti, franchement, ça serait pas mal. Qui résisterait un peu aux faiblesses vol et. Non, peut-être pas feu. J'aurais juste encore la faiblesse feu. Combo griffe. On lui fait rien. Feinte, tu lui fais quoi? Tu fais beaucoup plus. Surtout si tu fais un coup critique. Une griffe, peut-être un peu plus, non. Feinte. Voilà. Et heureusement que Nounoursa ne peut pas mourir parce que. C'est... En plus, on n'aura même pas le droit à Nounoursa dans l'arène. Ça va être le pire. Donc voilà, j'ai soigné l'équipe. Je viens de voir qu'il y avait aussi des Furocins du coup dans cette zone. Empire Ascent quoi? Empire City sur le nord. Ronflex, je sais plus si c'était dans l'axe, bloque le chemin vers Empire City, on peut pas le faire bouger. Ah, ils ont besoin d'aide pour bouger ce Pokémon. Oui, il y a deux routes ici, ça me fait peur. Le Galabas, sûrement un dresseur avec des Pokémon vol, donc on va éviter d'aller le voir. Le prof aime quoi? Il
Il a reçu un Pokémon du prof Elm. Prof Shen. Oh puis c'est un top dresseur, pourquoi je suis allé le battre aussi? 9-9, oh ça va. Il y a pire. Eh mais ils auraient pas pu augmenter la puissance de double dard en vrai. Parce que 25 de puissance à peine. C'est super bas. Qu'est-ce que t'as encore? J'espère pas un truc trop chiant. Ah Nounours, ça t'as récupéré un truc. Qu'est-ce que t'as récupéré? Chez Stoberry, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on reste? Ouais, j'ai pas envie d'envoyer Nounours, ça il va prendre des dégâts vraiment inutilement. Ça va. Combo griffe. Réussis s'il te plaît. Réussis s'il te plaît. Voilà. Fais plus que 2. Merci. t'aurais pu faire plus que 2, Nounours, ça. Franchement, tu me déçois. Griffe. Donc tu n'en manques griffe. Si tu réussis. Voilà. Bon, j'accélère quand vraiment les combats sont chiants comme ça. Il a rarement perdu. Ça m'étonne en plus si t'as réussi à perdre contre moi. The Dan Carman. Prend soin de son Pichu. C'est le gars de la pension? Oh ouais. Service de pension. Est-ce que tu veux déposer un Pokémon? Non, désolé, bah, il me reste 3 Pokémon. J'aimerais bien les garder. Par contre, s'il aurait un Pokémon pour moi, ce serait bien. Oceanside, ok. Dites-moi qu'il y a des autres herbes. Il n'y a pas de rival ici. Donnez-moi un Pokémon, s'il vous plaît. Oh, on peut récupérer le vélo. On essaie de se dépêcher, on va faire gaffe. Il n'y a pas des autres herbes. Je vais parler à tout le monde là pour voir si quelqu'un me donne pas une canne. Tiens, apparemment, il y a quelque chose qui nous offre. Mantine, elle a des Pokémon de type eau. Pourquoi est-ce qu'on a perdu Ortide? Pourquoi est-ce qu'il s'est réveillé, franchement? Ouais. Il a pas de chance. J'ai pas tout compris. Et son père apparemment est allé sur l'île 5, un truc comme ça. Je vais faire un petit pont ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est pour l'arène. Je me suis dit, ça sent le coin à rival. Oh, pêcheur, donne-moi une canne. En plus, on est sur la ville de l'eau, s'il te plaît. Ah, merci. Oh, le rôle. Je pourrais avoir un bon Léviator en vrai. Magikarp. Comment je l'affaiblis en fait? Je viens de penser à ça. Attends, l'arbre. J'ai peut-être augmenté un peu trop l'arbre. 35 de dégâts. Rage 20. Fury 15, mais ça va pas le faire. T'as combien d'attaque toi? 60, 55, 15 d'attaque. Ça va être chaud. Ouh. On a géré. Pokéball. On va l'appeler Géré. Franchement. Géré. On a géré. J'étais pas sûr qu'on allait réussir à l'affaiblir autant. Et encore une femelle, comme d'hab. Dans c'est quoi ta nature lonely? Et toi, relax. Je vais voir ce qu'il y a. C'est pas une nouvelle zone là en bas, là où il y a l'eau. Non. Je veux quand même voir qu'est-ce qu'on pouvait avoir ici. Parce qu'on peut peut-être avoir des poids sirènes. On va pas essayer des Pokéballs. Ah, on peut pas l'utiliser ici. Ok, carrément, on peut même pas utiliser la canne là-dedans. On a réussi à avoir un sauveur. Mais un marchand ici. C'est toi qui vois les objets. Bicyclette, je pense que c'est pas la peine pour le moment. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me donner un Pokémon aussi. Ouais. Bon, j'accélère un peu parce que là, okay, cette maison est bloquée. Très bien.
là. C'est l'herbe. Est-ce que vous pouvez pas échanger un Pokémon avec moi? Ça a parlé de combat, j'ai pas aimé, non. Non. Je vais pas vous parler à vous trois. Ça parle de combat, peut-être plus tard quand j'aurai mon Léviator. Bon, il faut essayer des Pokémon électriques. Le problème, c'est que j'ai pas de Pokémon électrique. Ça sent pas bon, là. Ça sent pas bon. Est-ce qu'on est soigné? Ouais. On va récupérer ton objet à toi. Ça sent vraiment pas bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. L'épisode fait que 20 minutes, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais essayer d'XP un peu Magikarp, peut-être les autres Pokémon de l'équipe. J'espère que la reine n'est pas trop bas level ou trop level. Je pense qu'il faudra vraiment que j'XP. Du coup, j'espère que cet épisode aura plu. On a quand même perdu toute l'équipe en un combat contre un Xatu. Hein? Merci Xatu, je pense qu'il sera sûrement sur la miniature. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura quand même plu. Ça rajoute quand même pas mal de difficultés. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.